c'est de faire le tour du lac qui fait, ça fait environ 30-35 km. Je me suis fixé une base de 10 heures, donc on verra, ça sera plus ou moins 10 heures. J'aime bien nager, puis en même temps, ça aide les autres, ça montre que les choses sont possibles, donc c'est deux motivations qui me poussent. Voilà, donc nous sommes très très heureux de cette journée qui a été organisée en partenariat avec Annecy Réadaptation et la ville d'Aix-les-Bains qui nous accueille dans des conditions magnifiques. Et puis pendant qu'on parle, il y a Thierry Corbalan qui s'est mis à l'eau à 7h du matin. Il est amputé des bras suite à une électrocution et il est parti pour un défi hors du commun puisqu'il va nager les 35 km du tour du lac. C'est un défi fou pour soutenir notre association et soutenir les malades de la sclérose en plaques. Et à midi, nous aurons l'arrivée de Armand, lui-même atteint de cette pathologie, qui aura fait le tour du lac en kayak. Donc voilà, de beaux pieds de nez à la maladie. Merci, bonne journée à tous et voilà, merci encore aux bénévoles. Merci les hommes en bleu. Qui va arriver, il m'a accompagné sur la journée et il va faire un gros défi Paris-Marseille, donc c'était son dernier entraînement en kayak. Quand je t'ai vu à Chambéry et que je t'ai proposé d'être de la partie, tu n'as pas hésité. Tout ce que tu fais c'est vraiment beau, c'est aussi un beau pied de nez à la maladie et on est très heureux de vivre cette journée avec toi et de te donner de quoi pique-niquer cette nuit. Donc voilà, merci à Ron, vous pouvez l'applaudir. Merci. Je fais beaucoup de défis sportifs. On continue la recherche sur la maladie. Et pour montrer aux malades
C'est énorme. Ouais. 15h54. Ouais. Ouais. Ouais, ben là, on a arrêté. Ah oui!